tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on revient sur Roots of Pacha, un jeu de gestion de ferme un petit peu à la Stardew Valley, seulement là on s'occupe d'un village nomade et ça se passe à l'âge de pierre. On a déjà découvert le jeu il y a un petit peu plus d'une année, depuis il a pas mal évolué, il y a du nouveau contenu, l'interface a été retravaillée, les mécaniques de gameplay ont été changées pour certaines, donc ça mérite un nouveau coup d'œil vu qu'il y a une nouvelle démo sur Steam. Allez, vous êtes prêts? En avant. Et nous voici dans une nouvelle vallée, on vient de s'installer et on doit aider le village à se développer. Donc il faut parler un petit peu à tout le monde, on a une belle carte d'ailleurs du village, je suis là. Oh bah tiens, il y a une quête pour moi en bas à droite, il y a également une forêt à l'est, les autres zones sont bloquées, vous pouvez voir que là il y a un barrage, là il faut construire le pont... Et là, je pense qu'il y a eu un éboulement. Mais bon, c'est peut-être bloqué juste dans la démo où il faut demander de l'aide au village pour déblayer les choses. Donc, alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont changé le système précédent où on devait vendre des objets un petit peu à la Stardew Valley en les mettant dans le coffre de la communauté. Et c'est remplacé maintenant par des points communautaires, des points de contribution. En gros, donc, on aide le village et en échange, on peut leur demander un coup de main. Par exemple, pour fabriquer... un nouvel outil, ce genre de choses. Alors, donc là, on a quelques quêtes. On doit... Oups, ok. Je dois aller parler, d'accord, bah tiens, à Tar, qui est là-bas, donc c'est noté. Mais j'ai également cette quête. Il me faut donc trouver des légumes sauvages, les récolter pour obtenir les graines, les planter dans notre champ et faire une vraie récolte de notre côté. Donc ça, oui, effectivement, on n'est plus nomade. Donc c'est les débuts de notre développement. Alors, bah tiens, il me faut trouver donc ces légumes. Bah tiens, regardez, là, on a du blé. Hop. Donc là, j'ai obtenu des graines, mais également... un petit peu de blé, que je vais peut-être pouvoir mettre dans le coffre communal, comme ça. Je vais, hop, ici, comme ça, je vais peut-être pouvoir gagner quelques points de contribution. On peut cuisiner, on peut utiliser également les légumes que l'on trouve pour prendre, récupérer un peu d'énergie, pour faire plus de choses dans la journée, ce genre de choses. D'ailleurs, ma barre d'énergie est là, et mes points de contribution sont ici. Du coup, j'ai quoi? J'ai quelques épis de blé, et je veux voir s'il n'y a pas d'autres... Non, ça, c'est une petite pousse d'arbre. S'il n'y a pas d'autre chose. Des champis. Non. J'ai pas de bol. Ouh, là, il y a peut-être des tomates. Ouais, tomates. Ah, ça, c'est pas encore mûr. Mais ça ne va pas suffire. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. On va faire un petit tour à la forêt. Ouh, là, il y a des crottes. Il y a des crottes. Bon, alors, la touche 1 me permet de sortir... mon sac de graines, vous pouvez voir, j'ai quelques graines du coup, vu que j'ai fait quelques récoltes. Là, on a la ceinture à outils, donc j'ai un caillou qui fait office de hache, une gourde et une torche. Pour le moment, on va servir de ça et je vais tout de suite planter... Est-ce que je suis chez moi? Ouais, je suis là, il y a deux champs, donc faut pas que je me trompe. Du coup, hop, est-ce que je peux... Ouais, je peux retirer ça. C'est pas pratique, vu que je n'ai pas vraiment d'outils pour couper. La hache fait tout, en fait. Elle fait faucille, binette, pioche, elle fait tout, ouais. Alors, on a quoi? On a, ouais, allez, on va faire 4. Très bien. Donc maintenant, je prends ça, les deux graines de blé. Je prends la graine de tomate. On va sortir maintenant notre gourde. Voilà. Et je vais faire un petit tour dans la forêt au nord, parce que je n'ai pas assez de graines ici pour faire la quête. Ouais, il faut planter 4 choses. Et après, on va aller parler à Tar, qui est au... Taré, je sais pas, qui est au sud-est de ma maison et au milieu du village. Alors, du coup... non, la forêt, elle n'est pas là-bas, elle est sud-est de là. Ouais, ok, donc c'est parti. Je me demande si je peux construire partout ici. À tester. Pas de champi, hein. Vraiment pas de bol. D'ailleurs, je vais changer d'outil. Ouais, on va prendre la pioche, la hache. Comme ça, s'il faut se défendre, on est bon. Il va y avoir des animaux sauvages dans la forêt, bien entendu. Alors. Du coup, on ouvre la carte. On est là. Il y a un petit peu de monde ici et il y a une grotte là-haut. Mais là, on cherche juste les légumes. Un petit... C'est quoi, c'est un lapin, c'est une biche ça ou un lapin? Ça a l'air d'être une biche, ouais. Oh, une chèvre, ok. Ah, de l'ail. Ok, ça c'est super, un peu plus d'ail. Alors, pas taper. Créature, ça, c'est bon.
peu plus d'ail. C'est mature, en plus c'est parfait. Alors, les champis rouges sont empoisonnés, mais je crois que ça donne pas mal de points de contribution, donc on va pas hésiter. Voilà. J'ai rien d'autre, parce que tant qu'à faire, si je peux revenir avec un paquet de graines, je plante tout et... Et je laisse ça, c'est quoi ça? Oh, un autre champi. C'est quoi, c'est les carottes ou des navets? Carottes, carottes violettes. C'était comme ça avant qu'elles deviennent oranges. Et par chance, les sangliers ne sont pas agressifs. Bon, j'arrive au bout de cette zone. Je me rappelle plus trop ce que l'on peut faire dans la cave. Est-ce qu'il y a du combat là-bas ou... Ok, ça c'est pas mûr, hein. Ça, ouais, non, c'est pas mûr. Reviens dans quelques jours. Oh, un gros champi rouge. On va pas se priver. Et après, je vais utiliser mon énergie pour ramasser un max de cailloux et de bois. On va en avoir besoin pour certaines constructions. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Et... Ok, je peux pas encore aller là-bas. Je crois que je peux me transformer en animaux, si je me rappelle bien. Et ce qui me permet de me déplacer dans la grotte. Bon, alors on retourne à la maison. Et Tar est là. Alors, on lui parle. Alors, elle dit, il y a tellement de choses à faire que l'on a besoin de beaucoup de contributions pour démarrer les choses. Si tu pourrais offrir 5 objets par jour, ça aiderait beaucoup. Alors, 5 au minimum, mais après, je pense qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Donc, je vais mettre l'ail, les champis rouges, les champis standards, parce que de toute façon, j'ai plus de place dans mon inventaire. On va mettre les 4 carottes. Hop, hop, et ça. Ah, bah tiens, on va même mettre le blé. On va absolument tout. Et on va garder les feuilles. Du coup, que je me rappelle, où est-ce qu'il y a des choses à fabriquer, je me rappelle plus, c'est pas indiqué sur la carte. Va falloir les trouver. Mais avant, on vient là. Est-ce que j'ai des graines? Ouais, j'en ai pas mal. Donc, on va déblayer tout ce qu'il y a là. Et on a besoin également de retirer les cailloux. Plantes. Le bois. Ça va être utile tout ça. Cette misère que ça doit être labouré avec un caillou. Un caillou pointu, pointu. Du coup, alors. Graines de carottes. Voilà. Ensuite. Graines d'ail. Ensuite, patates. C'est tout? Si on en a un petit peu plus, bon c'est pas grave. On va arroser si j'ai assez d'eau restante. Ah, j'en ai plus. Normalement il y a une petite... Ouais, il y a la rivière juste à côté. Ah, il y a des choses qui bloquent mon chemin là. Je vais passer à toi. Voilà. Je sais pas si... Non. Là-haut, elle est là. Voilà. À quoi ça ressemble le blocage là-haut? Ouh. Ok. Il va falloir demander un petit peu d'aide. Donc je suis à la moitié de mon endurance. Mais on est bon, on est bon. Alors oui, c'est plutôt là. On arrose. Les deux dernières graines. Et là, je vais voir ce qu'il me faut. Je crois que je dois parler à elle. Ouais. À moins que ce soit une discussion à faire demain. Ok, ce serait plutôt pour demain. Je crois qu'il y a quelque chose à faire là. Voir les objets. Ah. Alors, je peux les améliorer, donc ces outils. Donc il me faut les ressources là-haut.
10 de bois, 10 de flint. Le flint, c'est quoi? C'est le silex. Et de la fibre de plante. Ça, on est bon. Et il me faut 100 points de contribution. Donc là, vraiment, je peux pas le faire. Pas de problème. On va chercher ça. Bon, j'ai ramassé pas mal de ressources. Je n'ai pratiquement plus d'énergie. Bah tiens, on rentre avec la petite torche. Et normalement, alors j'adore dans le jeu, hein, tout le monde a son petit planning, tout le monde a ses animations, donc vous allez trouver des gens qui vont dormir sous un arbre et tout. Alors, du coup, mes points de contribution, 193 points au total. Ouh, 15 points pour l'ail sauvage, 8 points pour les champis, ouh, donc là il vaut beaucoup plus que les champis, d'accord. 8 points pour les champis standard, ok, c'est vraiment l'ail, ouh non, c'est... C'est le blé qui vaut le plus, 16 points. Bon, un point de plus que, que là, et d'accord. Ah, et les tomates, 18 ans. Ok, ben, très bien. On a planté tout ça. Alors, ah, alors, on a elle. Bon, je vais passer les dialogues parce qu'ils sont uniquement en anglais. Mais elle, en gros, a une idée. Voilà. Donc, elle aimerait suivre le voyage du soleil, qui s'appelle Kuro pour eux. Pour ça, il nous faut... Ah oh bah tiens, 50 de roche, j'en ai 40. Et 55 points de contribution. Mais on va faire ça rapidement, ça. Alors, hop, on reprend toi. Du coup, il faut que je fasse également le tour du village, juste pour voir s'il n'y a pas du blé. Il y avait du blé qui était presque arrivé à maturité, si c'est pas bon, là. Alors, donc du coup, il me faut 5 cailloux à péter. Vu que ça me donne... deux droches chacun. Et là, on est à 50. Bah tiens, on va aller voir la mamie. Et ouh, on n'oublie pas d'arroser avant. Et plus d'eau. On fait un petit tour là-haut. Voilà. Va me falloir... Ah bah tiens, c'est plus facile par là, d'accord. Ouh, ce type de fleur, ça m'a donné une graine, ça? Non. Ah, du blé. Carotte, elle était peut-être mûre la journée d'avant, je les ai peut-être ratées. Hop, oh bah tiens, ça c'est génial. Bon, les carottes, c'est quoi? C'est 8, je crois. Hein. 5, je sais plus. Je crois pas que c'est ça rapporte super. Ouh, et du coup, elle a quelque chose à nous dire. Ah, bah tiens, un champi, là. Une autre plante. Et on va lui parler avant de mettre quoi que ce soit. Peut-être qu'on va être payé pour. Alors, c'est super de voir que tu contribues autant. J'avais un fumeur. Vous savez quelque chose pour faire fumer de la viande, je pense. On va voir. Donc, merci. Alors, maintenant, on va mettre les plantes. Il faut mettre 5 choses par jour. Là, on est large. Et là, je remets son truc. Ouh. Ouh, ok. Zone réservée. Donc, il y a un PNJ qui permet de construire. Je vais voir si on peut le trouver. Je sais pas s'il y a des choses. On peut ignorer la grille pour... D'accord. Ouais, bah on va te mettre là. Très bien. Et je fais quoi avec ça? Peut-être qu'il me faut de la viande. Est-ce que tu proposes des choses, toi? Danser, faire de l'échange. Ouh. Ouais, mais ça coûte 83 points, c'est trop cher. Allez, mon nom c'est Dan Goku, hein, parce que clairement je m'apprête à devenir Super Saiyan là. Du coup. Ensuite. Bon, je vais pas mettre la dernière parce que j'ai pas énormément de place. Toi. J'ai envie de creuser là. Il faut que je trouve. Ah oui, je suis pas allé. Je suis pas allé lui parler. Et... Oh. Où es-tu parti? Zut, elle est sortie. Ah, oh, elle a une vie. Mince. Alors. Elle est peut-être. C'est peut-être elle. Ou elle est peut-être là-bas, je sais pas trop. Je crois qu'elle est peut-être au sud. Toi, tu me proposes des choses ou... Non, il veut pas danser. Fallait essayer, hein. Est-ce que je peux en faire avec? Ah, c'est là. Ah, je crois que c'est lui qui construit des choses.
Améliorer des bâtiments ou construire? Ah, rien à construire pour le moment. Non, c'est pas elle. Bon, c'est pas grave, on la verra ce soir avant de rentrer. Ouh, tomate. Parfait. Et on a une graine également. Je pense qu'on va aller à la mine, voir si je peux trouver du silex. Ouh, quelqu'un danse là, j'adore. Ah, mais hey, pourquoi tu veux pas participer à la danse? Alors, je regarde dans les quêtes et je vois que demain, on va dévoiler mon totem. Et si je me trompe pas, le totem... Ah, bah tiens, je peux peut-être la trouver comme ça. Hop. Elle est où? Elle est là-bas. Ok, mais on va y aller. Mon totem va peut-être m'aider à naviguer la grotte. Vous vous rappelez, je vous dis qu'il faut se transformer. Donc je pense qu'on doit attendre demain avant d'y aller. Voilà. Ça se vend pas mal, ça. Alors, elle est quelque part à l'ouest. Peut-être au-dessus. À moins qu'il soit déjà déplacé. D'ailleurs, au passage, je vais remplir ma gourde. Ouh, lui bosse dessus. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non, ok. C'était le gars à qui j'ai parlé tout à l'heure. Ah, du coup, elle est où maintenant? Elle est là-bas. Ouh, regardez-les. Alors. Ah, météo. Mon genou droit a mal. Ça veut dire qu'il y a de la pluie pas loin. Ah, l'idée. Recherche. D'accord. Et donc ça, c'est lancé, mais ça va prendre 3 jours. Ce qui est un petit peu long. Où est-ce que je peux avoir? Ah. Alors. On va essayer de pêcher. Suivre le poisson, ça. Ah, alors j'ai compris. C'est pas si évident le système, le mini-jeu de pêche. Alors il faut suivre le poisson. Et vous voyez la petite barre de segmentée en 3 parties en bas se remplit. Si on arrive à le suivre sans se faire repérer. Et là, il est. Voilà, on continue. Hop, voilà, elle s'est remplie. Et je peux y aller. Bah tiens, du coup, on a 2 poissons pour eux. Toi, tu veux pas un poisson? Non, juste danser. Non, personne veut danser avec moi. C'est incroyable. Du coup, ouais, on va déposer les poissons. Ouais, on va voir ce que l'on peut gagner pour eux. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de points de contribution? Puis il faut que je vide un peu mes poches également. Alors, hop. Et ça, côté, on a 3 graines, mais je vais attendre un petit peu. Ouh, regardez-moi ce feu de camp. Est-ce que toi, tu peux fabriquer des choses? Non, tu peux rien faire pour moi. D'accord. Ah, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser du bois et de la roche pour claquer mon énergie et attendre demain. Et dodo. Alors, 10 pour les fleurs, c'est pas mal. Le poisson, c'est 10 seulement. Ok, je pensais que ça rapporterait plus quand même que du blé. Ou qu'une tomate. Bon, 140 points, c'est quand même honorable. Et là, normalement... Ah! Notre passage à l'âge adulte, en gros. Oula. D'accord, donc Pacha c'est notre déesse apparemment. On a voyagé loin, mais elle nous a récompensé avec cette terre sûre et pleine de ressources. Ok, donc en fait on fait un sacrifice à Pacha. C'est pas un trou, ah, d'accord, je pense que c'est un gros trou profond, non. Ok, donc elle offre un instrument qu'elle a fabriqué. Ouh. Et donc, elle est protégée par le lion de la cave. Ok, de la grotte.
Lui, il offre un poisson. Il me fallait quelque chose à offrir parce que je... J'ai tout donné là. Zut. Et donc lui, il va être protégé par quoi? Ah, par l'ours. Et donc celui-ci, c'est un bonhomme, ouais. Lui, il a appris l'art de combiner différents ingrédients pour faire des repas délicieux. Et donc il offre son meilleur plat. Et donc, il est protégé par le sanglier. Ok, et moi c'est quoi? Parce que je ne suis pas à côté d'eux. Ah. Ah, à mon tort. Dan Goku, qu'as-tu apporté? Alors, des graines qui peuvent devenir de la nourriture rapidement. Un poisson que j'ai pu attraper. Poisson. D'accord, je crois que la majuscule nous indique le bonus. Une fleur. Pour l'amitié, je suppose. Du coup, je vais peut-être pouvoir me rapprocher du village plus rapidement. D'accord, j'ai plus de charisme. Ce qui fait que, ouais, ça va être. Je vais me lier d'amitié plus rapidement avec les villageois. Ok. Et donc, mon animal. Mon animal est une plante. C'est l'arbre de Pacha qui me protège. Ouh. Alors, bah, dis donc, tout le monde est là. Parler. Ah, elle était avec moi. C'est... Je sais pas si... On va tirer d'elle. Non. Elle a l'air marrante, elle. Je m'attendais à quelqu'un de qui est 20 ans, quelque chose du genre. Non, qu'elle est un peu plus... Mais je pensais... Bon, bah alors avec tout ça, maintenant, j'ai ma protection de Pacha. Ah, je peux même pas ouvrir la carte, là. D'accord. Est-ce qu'il faut sortir de cet endroit ou... Est-ce que tu veux partir? Ouais. Ouvre ton journal pour apprendre plus. Ok. Donc on a une quête avec lui là-bas. C'est celui qui a la protection de l'ours, je crois. Ouais. Ok, il veut trois poissons. Ok, ensuite. C'est bon. Est-ce que je peux aller dans la grotte pour essayer d'obtenir mon silex? Ah, rendez-vous d'amoureux. Ah non, on est revenu au... Là, on était tout à l'heure. J'ai pas fait d'offrande encore aujourd'hui, hein. Ah, plein de pommes de pin, mais je peux pas les obtenir, elles. Ah, champi rouge. Ouh. Est-ce que c'est pas un pommier qui est... Il n'y a que des fleurs. Le pommier, ça fait des fleurs, non? Bon, je pense que je vais pas pouvoir le péter avec cette arme. Si? Oh, je pense que je vais peut-être le regretter, ça. Alors, franchement, j'aimerais bien un petit peu de nourriture. On va essayer d'attaquer un sanglier sur le retour. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais probablement le regretter. Ouh, connaissance des plantes est passée au level 2. Mais ouais, il me faut de la viande pour la faire sécher sur le fumoir. Une chèvre serait peut-être plus simple. Bon, tout ça c'est excellent ça. Ça me rapportait énormément de points de contribution. Et du coup on va dans la grotte. Okay. Ça c'est mûr, je sais pas si c'est mûr. Ça a l'air d'être mûr mais vu que j'ai pété l'arbre d'avant. Ok, ça c'est de la roche basique. Ça, je peux vraiment rien faire. Zut. Toujours pas possible. Et du coup, on essaie d'obtenir de la viande. Ah! Je peux lui donner une carotte?
Non, ça répond pas à la carotte. À l'ail. Non, donc je peux pas les attaquer en fait. Zut. J'espérais obtenir de la viande, mais ça n'a pas l'air d'être possible. Alors, on dépose tout dedans. Et du monde. Personne veut danser avec mon bonhomme. Est-ce que mon gars serait le plus détesté du village? Est-ce que ce serait possible? Je commence à me poser des questions. Bon. Alors, hop. Tout ça est dedans. Faut que je jette un petit coup d'œil. Donc, j'ai fait la contribution du jour. Et est-ce que j'ai arrosé ce matin? Je n'ai pas arrosé ce matin, oui, parce que c'est... On allait directement. Alors, je vais mettre au milieu. Voilà, comme ça, j'arrose autour. On allait directement faire notre passage à l'âge adulte. Ah, plus d'eau. Voilà. Alors, j'ai pas mal de graines, normalement. 3, 8, 10, 12. Donc, ça va peut-être être le moment d'agrandir 12. Donc, ça va être du 3 x 4. Ah, je vais chercher le... Hop. Voilà. Et on est bon. On reprend ça. Il me reste plein d'énergie. Ben, je vais essayer de ramasser du bois une fois que j'ai fini d'arroser, de la roche. J'ai quoi? Non, plutôt de la roche. J'ai une vingtaine de bois. On va en profiter pour déblayer un petit peu plus le champ. C'est pas une perte. Et le soleil va bientôt se coucher, donc je vais me dépêcher. Hop. Parti. Voilà. Bon, on va dodo. Et je me demande si je peux avoir une récolte et où est-ce qu'on en est pour la quête de la mamie. Ouais, on va dodo. Alors, 125 points. Honorable, honorable. Ah! La grotte appelle une énergie à l'air de déplacer dans la grotte. Okay. Donc là, c'est là. C'est là, d'accord. Il fallait attendre le lendemain. Et ça y est. Donc là, je vais pouvoir obtenir mon silex pour améliorer mes outils. Nouvelle idée. Ah, se rapprocher des animaux dans la forêt. Parler. Oh, bah tiens, là, j'ai pas besoin d'arroser. Parfait. Ouh, non, c'est pas encore là. C'est pas encore là. Mais on y est presque. Donc, okay, ça va aller à la grotte. Et là, il faut parler à lui qui est au sud-est par rapport à nous. Alors, je vais voir si j'ai des choses à déposer en rentrant. Du coup, est-ce que tu es dans une maison? Tu es juste là. Tu es probablement dans la maison, là. Ou dans la maison, hein. Ah, j'atteins les limites de la bêta. Il faut attendre qu'il sorte. C'est pas grave, on peut le voir sur le retour. C'est dommage parce que je compte aller dans la... Dans la grotte et donc passer par la forêt. Mais c'est pas une cata non plus. Alors. Ouh, et je rentre dans la grotte. Et on a un animal. Ouh! Donc ils disent qu'on est un trait là, et lui dit pas d'inquiétude, fais ce que on a préparé. Ouh, ils sont plusieurs. Ça, ce n'était pas dans la démo précédente. Hein. Et ils disparaissent. D'accord, ah, ils nous parlent. Les grottes sont un labyrinthe de défis construit par les totems pour te tester. Ça ne va pas être facile, mais tu peux le faire. Y arriver. Pour réussir ces défis, pour passer ces défis, tu dois écouter attentivement et observer le monde autour de toi. Pour continuer, tu dois être le premier à prouver ta force. Ok. En cassant des cailloux. D'accord.
Ah, bah comme dans Stardew Valley, quoi. Il faut trouver le trou, c'est ça? Bonne chance. Ok. Alors, du coup, je regrette un petit peu. J'ai ramassé pas mal de choses sur le chemin et du coup, je me suis rempli les poches. Alors. Ok, tu me dis quoi, toi? Tu dois péter les cailloux. Ok. Ah oui, non, je me rappelle. En fait, il faut casser assez de cailloux et je crois que ça va ouvrir. Voilà. Un peu bizarre. Ok, mais s'ils le veulent. Alors moi, ce que je veux, c'est mon silex. Oh, celui-là, il est un peu différent. Non, pas toi que je voulais, celui-là. Il est d'une autre couleur. Il est des cailloux. C'est que ça, les défis. Et là? Non, ok, ça fait goût. Ah, il y a deux chemins. Je vais vers là. Ça me donne rien, ça. Et ça, c'est quoi, ça? Pas du tout. Alors, toi, tu me dis quoi? Ok, j'ai pas encore cette puissance. Je dois ouvrir quelque chose, hein? Non. Quand même péter tout ce qu'il y a là au cas où. Il y a un autre chemin là-haut. Là. Donc, ça. Lui dit que ça parle de plantes, mais je sais pas en quoi ça m'aide le fait de savoir que ça parle de plantes. Est-ce que je dois ramener les plantes là? Il y a quand même une porte là. Mais toujours pas vu de silex. Et j'ai claqué. Bah tiens, je vais pouvoir manger les légumes que j'ai sur moi, tiens, pour récupérer de l'énergie. Finalement, ça va pas être perdu. Maintenant, je regrette de pas en avoir emporté plus. Il faut ouvrir cette porte. Oula. Ok. Avant de demander une faveur au totem, tu dois offrir ton amitié sous la forme d'un cadeau. Ce qu'ils aiment peut être trouvé sur les murs dans ces caves. Ah. Donc faut déposer des choses, c'est ça? Ok, ça marche pas. Faut sûrement ramener les plantes. Toujours pas passer par là, il faut me transformer. Et là, je vois pas d'autre sortie. Donc là, faut revenir avec les bons fruits. Alors, bah du coup, on regarde ça. C'est quoi ça? C'est une pomme de pin, ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ce que c'est les pommes, ça? Oh purée. Ok. ouais, bah. Ah, peut-être que je peux en trouver dehors, tiens. Genre, peut-être ça et ça. Ouh, ok, les pommes. Pommes de pin. Ça en fait deux. Maintenant, il faudrait des fruits jaunes. Peut-être des carottes. Bon, il y a des carottes là-haut. Je vais pas les ramasser. Ah, je vois pas d'autres fruits. C'était d'autres fruits. Il y a un autre type de fruits jaunes. Et ça ressemble à des pommes, ça, vraiment. Alors, vous savez quoi? On va dodo parce que normalement, demain, je vais quand même garder ces deux-là. Mais demain, je devrais peut-être avoir une récolte et faire la suite de la quête de la mamie. Ah, alors, elle fait toujours dodo. Hein. Ok, on doit attendre qu'elle se lève. Allons voir nos champs. Notre champ, plutôt. On n'en a qu'un. Ah, toujours pas? Non? Ah, si, toi. Parfait. Super, la quête est faite.
replante, pas besoin d'arroser. Alors, nouvelle quête. Ygrok a une nouvelle... Ah oui. Ah, il pense qu'il y a une meilleure façon d'arroser les plantes. Ah, c'est notre... C'est notre papy. D'accord, bah, il faut attendre que... Et il faut trouver après le bonhomme pour... l'élevage, le domptage d'animaux. Alors... Donc on doit construire un monument pour honorer le soleil. Ouh. Ok. Pourquoi pas là? Ouh. Donc Roll va commencer à bosser dessus dès qu'il peut. Maintenant toi, t'as une idée pour irriguer les champs? Ok. Donc il a mis son oreille sur le sol, il a collé son oreille au sol pour écouter le mouvement de l'eau. Et donc là on peut... Ouh, une journée pour un puits. Oh, c'est, ça va pas mettre beaucoup de temps, donc c'est cool. Alors voyons voir ce projet. Est-ce que je peux lui donner un coup de main? Non. Ah, alors Groll, c'est le bonhomme que j'ai vu tout à l'heure. Je sais plus où il est. Oh, ben ça c'est pas tellement un fruit le blé. Est-ce que c'était pas ça le truc jaune? Alors où il est le gros l'homme? Ah, il est dans sa maison. Ok, il dit qu'il bosse déjà sur le bâtiment. C'est parfait. Et où est l'autre? Toujours là-bas. Ah, je pense que je peux pas le faire sortir. Hein. Il va y rester quoi qu'il arrive, j'ai l'impression. Je pense pas que du coup que je vais pouvoir dompter les animaux. Il est encore là-dedans. Alors, je vais essayer de poser toi. Non. Non plus. Ça, ça devrait être bon. Non. Une pomme, ça c'est sûr. Ok, il accepte cette offrande. Est-ce que tu es prêt à faire le challenge? Ouh, ok, je m'y attendais pas, ça. Ça va tester notre observation. Essaye de bien compter. Ok. Comptez quoi? Trois, quatre. Je suis censé compter quoi? Le ceux qui sortent ou les couleurs? J'en ai vu 5 couleurs. Cinq. Ok. Du coup... Ah, un autre chemin. Ah, donc maintenant je peux utiliser ça pour voyager rapidement et traverser la cave. Alors... du coup, lui voulait juste la pomme. D'accord, c'est juste la pomme pour lui. Ah, ça y est. Alors, bah du coup. On va manger. Et là, je devrais obtenir le flint, le silex. Il nous en faut un paquet, par contre. Et là, j'en ai juste eu deux. C'est combien? Je crois que c'est 10 pour un outil. Je vais essayer au moins de ramasser ça. Oh, en fait, ici, tous les cailloux me donnent du silex. À tous ceux qui donnent une ressource, ça donne plus de roche. Ça, ça disparaît instantanément. Donc du coup, là, j'ai les disques. Ah, ah, ok, non, j'ai quand même de la roche, parfois. Oh bah, ça y est. Bon, j'ai les disques qu'il me faut, c'est le principal. Je sais même pas si je vais m'embêter. Je vais rentrer, comme ça, on va essayer d'améliorer le... je suis arrivé d'où? De là. Ouais. Alors, on va prendre ça. À la forêt. Oh oui, ça, ça va être utile, ça. Super. Alors.
Où est le bonhomme avec sa nouvelle idée? Il est au sud-ouest, dans le bâtiment. Il n'est pas dans le même, donc je peux peut-être lui parler pour voir son idée là. Ok, je crois qu'il est là-dedans. Ouais, alors c'est qui? C'est toi, je crois. Discuter de l'idée. D'accord. Il nous faut des carottes. Oh bah ça je sais où en trouver. Pas de problème, on ira en chercher 3 carottes. Sauvage. En attendant, je vais me débarrasser de ce que je sais qui ne va pas être accepté par le totem. Ça on l'a déjà fait, donc je peux en le poser. Ça je peux en trouver rapidement dans la forêt. Ok. Et maintenant les outils. Ah, elle n'est pas là. Elle n'était pas. Peut-être qu'il est trop tard en fait. La nuit tombe. Ah, elle est là. Ah, c'est 15. Ah, ok, c'est pas grave. Bon, on va dodo et on va voir si le papy a l'idée pour le puits, a terminé son. Oui, sa préparation pour l'idée. Alors. Il y a vraiment plein de choses à faire quand même. Peut-être qu'on va avoir une autre récolte. Ok. Ou 136 quand même. Il faut attendre qu'il se réveille. Ouh, on peut maintenant construire notre propre maison. Oh. Alors, J. Ah, Kroll peut la construire. Ah, bah tiens, Kroll. Ah, oh, ça, vous voyez, ça, c'est le. Ah, mince. Ah, je me rappelle plus comment s'appelle celui qui fait l'ombre avec le soleil. D'accord, donc c'est pas terminé, mais c'est bien avancé. Alors là, je peux rien reprendre. Je peux encore rien ramasser. Ah, ça, je peux ramasser. Hop, hop. Et on va mettre de nouvelles graines. Voilà. Et on va voir après pour le puits. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien progressé. On a vu pas mal du jeu. Les nouveaux éléments de gameplay. Les nouvelles constructions. Les donjons. Enfin, la cave a changé. Il y a de nouvelles quêtes. De nouvelles mécaniques. Tout ça, c'est du tout bon. Bravo les développeurs. Ça va faire un bon petit concurrent, je pense, à Stardew Valley. Mais avec vraiment sa propre personnalité. Et tout. Ouais, ouais. Vraiment. Vraiment pas mal. Ouh, bah tiens, regardez. Allez, on va finir en lui parlant. Ok. Donc maintenant, l'idée est faite. Comment je construis le. Je sais pas trop comment. Je sais plus comment j'ai fait pour. Ah, il faut peut-être parler à Kroll en fait. Ok, il bosse déjà sur ça, d'accord. On va le laisser faire. Et donc voilà, bah merci à vous. Et puis bah je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.